bienvenue dans votre émission Les signes de la vie. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'eau, une ressource importante dans nos sociétés. La gestion des ressources en eau est un problème majeur du 21e siècle. L'eau est nécessaire à la vie de tous les êtres vivants. Jusqu'à présent, l'eau a été puisée sans retenue dans les réserves disponibles, comme les lacs et les nappes souterraines. D'où provient notre eau potable ? Dans le Pacifique, l'origine de l'eau potable est souvent en fonction de la géographie des îles. Sur certaines îles, dites « hautes », généralement d'origine volcanique et surélevées de plus de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'eau s'infiltre et ruisselle sur les montagnes jusqu'aux rivières. Elle est ensuite captée pour être distribuée et recevoir un traitement pour la rendre potable pour la population. Sur d'autres îles, dites « basses », créées par la sédimentation ou le soulèvement des récifs coralliens, l'eau s'infiltre dans les lentilles d'eau douce présentes dans le sol qu'il faut à tout prix préserver. Une pollution pourrait contaminer la lentille en la rendant impropre à la consommation humaine pour de nombreuses années, au risque de provoquer des maladies. Alors, quels sont les bons gestes pour mieux gérer notre eau ? Soyons raisonnables dans notre usage de l'eau. Ne la gaspillons pas en pensant par exemple à fermer les robinets d'eau ou à recueillir l'eau de pluie pour certains usages. Respectons les bonnes pratiques en période de sécheresse. Ne polluons pas les sols afin de préserver les milieux aquatiques, les lentilles ou réservoirs d'eau. Trouvons des solutions pour rendre compatibles nos besoins de production, industrie, agriculture, avec la disponibilité de la ressource. Et partageons-les. Les mots assignés. Eau de pluie. Eau de pluie. Pollution. Pollution. Potable. Potable. À bientôt pour d'autres signes de la vie.